Chers téléspectateurs, bonjour. Moi, c'est Aimé Lambé, le chef cuisinier de votre émission Les Délices Tchadiennes. Les Délices Tchadiennes est une émission qui a été créée pour vous. C'est une émission qui est en coproduction avec le restaurant Djamena Food et la télé Tchad. Le but de cette émission est de créer tout ensemble avec vous des plats clairs et nets tout en mettant de l'accent sur l'équilibre alimentaire et l'hygiène. Pour aujourd'hui, nous allons vous réaliser un dessert qu'on peut aussi utiliser comme une entrée appelée les crêpes sucrées. Avant de passer à la préparation, je vais vous citer les ingrédients dont nous aurions besoin pour notre préparation. D'abord, ici, on a 250 g de farine, 1 demi-litre de lait demi-écrémé, 3 œufs, un peu d'eau pour diluer ma pâte si jamais elle est lourde, du beurre pour brûler ma poêle, un peu de sel, de persil et de l'huile d'olive. On aurait dû faire avec le fouet, mais je préfère le faire avec le mixeur pour pouvoir gagner en temps. Donc, j'ouvre mon mixeur d'abord qui est là. Je prends un autre bol de côté pour pouvoir casser mes œufs. À l'aide d'une fourchette maintenant, je récupère mes œufs que je vais casser séparément. Je le fais ainsi pour ne pas salir mon œuf. Si jamais un de plus est pourri, ça risque de contaminer le reste. Pourtant, en procédant ainsi, si un œuf est cassé, je peux immédiatement l'éliminer. On va utiliser 3 œufs. Voilà. C'est bon avec les œufs maintenant. Je vais maintenant ajouter mon lait. Presque la moitié. Et voilà. Maintenant ma farine. Avant de mettre la farine, je vais d'abord mixer mon lait. Et maintenant, j'ajoute ma farine. Progressivement. Là, je vais encore mixer un peu. Maintenant, je vais mettre mon sel. C'est une petite cuillerée. Et de l'huile. Je vous rappelle que c'est de l'huile d'olive. Vous pouvez aussi utiliser l'huile d'arachide ou bien du tournesol, ça dépend. Maintenant, à l'aide de ma louche, je vais vérifier ma pâte si elle est assez légère ou bien passable. Elle est plus légère, alors je vais ajouter un peu de farine encore. Et là, j'ajoute mon restant de lait maintenant. Et je mixe encore. Je vérifie encore à nouveau.
Votre pâte doit exactement être, avoir l'onction ainsi, pas trop lourd, pas trop légère, telle qu'elle est, pour pouvoir réussir vos pâtes à crêpes. Voilà. Maintenant, pour donner la couleur, je vais devoir mélanger avec mes herbes finement hachées. Vous pouvez le remplacer également par la ciboule. Là, je mélange maintenant. Et voilà d'abord la première étape de notre pâte à crêpes avant de le passer à la poêle. Avant de le passer à la poêle, nous allons réserver cette pâte au moins une demi-heure au frais avant de continuer notre préparation. Je préchauffe maintenant ma poêle à feu doux surtout, sinon ça va se brûler. Là maintenant, je badigeonne légèrement avec mon filet de beurre. Je fais ainsi pour que ça ne puisse pas coller. À l'aide du pinceau, maintenant, j'éparpille avec une texture d'huile d'olive pour son parfum. Bon, je vais commencer. Une fois versé votre pâte, essayez de soulever la poêle pour qu'elle puisse se répandre un peu partout. On va attendre un peu que ça soit doré de l'autre côté avant de la retourner. Vérifier de temps en temps, voir. Et là, on va devoir la tourner comme ceci. Vous voyez, c'est doré presque un peu partout là. C'est le résultat qu'on attendait. Maintenant, on va attendre dorer aussi de l'autre côté avant de retirer et passer à une autre étape. Je vérifie l'autre côté maintenant. Il est également doré. Vous pouvez la soulever ainsi. Vous voyez? Là, notre première crêpe est prête. On procède encore de la même façon, mais en diminuant un peu le feu. Toujours remuer avant de verser. On fait le même geste que tout à l'heure. Là, la pâte a pris sur toute la poêle maintenant. Nous allons attendre encore quelques secondes avant de la retourner. Je vérifie ma deuxième crêpe qui est déjà aussi dorée. De temps en temps, je remue ma pâte. Sinon, le dessus serait légère et le bas serait un peu lourd. Donc, je préfère mélanger à ce que ça ait la même texture. Deuxième vérification, elle n'est pas encore trop dorée, alors j'attends encore un peu. Par contre, si c'était notre crêpe sucrée qu'on devait utiliser comme un dessert, on aurait dû utiliser du sucre, du sel, et peut-être à la fin de la confiture ou bien du chocolat. Mais avec le sel, c'est plutôt une entrée qu'on peut manger froide comme chaude, tout dépend de vous.
même procédé. Comme celle de tout à l'heure. Je crois que c'est bon. Nous allons procéder de la même façon jusqu'à la finition de notre pâte. Si vous ne pouvez pas le soulever comme je le fais, vous pouvez également en déposer comme ceci pour éviter de vous brûler. Et hors du feu même, vous pouvez mettre votre crêpe dans votre poêle sans souci. Parce que la poêle est chaude. Une fois terminée, vous pouvez la déposer là. C'est juste une autre façon de vous montrer. Tant que la poêle reste chaude, la pâte passe dessus sans souci. Elle est très chaude, alors je la retire du feu. Ouais. Celle-ci est parfaite. Elle n'est pas encore dorée. Je vais maintenant la retourner. Et débarrasse. Et je continue mon jeu, mais cette fois-ci avec mon filet de beurre. Mélangez le beurre et l'huile d'olive, ça donne encore un autre parfum à votre plat. Là, je vais retourner. Et attendre le second tour. Suite des suites. Si vous ne soulevez pas la poêle pour que la pâte puisse se répandre un peu partout, ça n'aurait pas la même forme. Par contre, quand moi je fais comme ça, j'essaie d'avoir presque les mêmes formes, comme vous le voyez. Si vous rapprochez la caméra, vous allez voir, à chaque fois, il y a des petites boules qui sortent sur la pâte. À chaque fois que ça sort ainsi, c'est que le dessus est déjà en train de cuire. Étant ainsi, même on peut déjà la consommer. Mais si on laisse quelques secondes ou bien quelques minutes de plus, c'est juste pour que ça soit doré. Comme celle-là. Je libère au fur et à mesure. Le temps de débarrasser. Mon filet de beurre
remets ma pâte et déposer encore sur ma poêle. Vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Quand j'augmente le feu, vous allez constater que ça va vite dorer et plus encore que les autres. Mais ça devient rapidement sec. Raison pour laquelle je préfère procéder tout doucement. Vous verrez que celle-ci serait plus dorée que les autres. Parce qu'il le fait presque avec un feu fort. Vous verrez. Là, je vais retourner. Vous allez constater. Et quand vous faites à feu doux, voilà le résultat. Voilà la différence du feu doux et du feu fort. Si je retourne même, vous verrez, il y a une très grande différence là. Raison pour laquelle moi je préfère le feu doux. Dernière maintenant. Là, je débarrasse et je passe à ma dernière crêpe. Je suis obligé de soulever carrément ma saladière, récupérer tout le restant. En ajouter un peu puisque ça reste juste quelques cuillerées, alors je vais la déposer dessus, qui ne va causer aucun problème. C'est déjà la fin de notre préparation de notre crêpe salée. En passant, je vais vous rappeler d'abord les ingrédients que j'ai utilisés pour ma composition et ma préparation. Il y avait d'abord l'élément de base qui est la farine. On a utilisé 3 œufs, un filet d'huile d'olive, du sel, du lait demi-écrémé. J'avais apprêté un peu d'eau à côté pour juste utiliser au cas où ma pâte serait lourde. Mais malheureusement, ma pâte n'était pas lourde, alors l'eau est restée telle qu'elle est. Je ne l'ai pas touchée. Mais il faut toujours apprêter de l'eau à côté pour essayer de diluer votre pâte. Et que de passer par le fouet, j'ai préféré gagner en temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis passé par le mixeur. Et dans mon mixeur, j'ai d'abord cassé mes œufs séparément. Après mes œufs, maintenant, j'ai délaillé avec du lait. Puis la farine, j'ai mixé. Avant d'ajouter l'huile et le sel.
J'ai encore mixé. Là, j'arrête mon feu. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai encore mixé. Et après, j'ai versé ma pâte dans ma saladière avant d'ajouter mes fines herbes finement hachées que vous voyez là. Tout ce qui est vert, vert là, ce sont mes herbes hachées. Vous pouvez utiliser toute herbe que vous voulez, mais sauf des herbes très aromatiques parce que son odeur va trop ressortir sur votre pâte. Donc, chers téléspectateurs, voilà à quoi ressemble notre crêpe salée. Là, on en a au moins pour 4 personnes. Donc, je vais essayer de les dresser dans de différents plats. Vous pouvez les dresser comme vous voulez. Vous pouvez la manger telle qu'elle est. Ou utiliser une autre forme de dressage que vous voulez ou que vous connaissez. Donc, je vais utiliser 3 de mes plats. Je fais un peu de place. Je retire mon eau pour pouvoir ajouter d'autres plats. Voilà. Je commence par cette étape. Ici, je récupère, je dépose là comme ça. Ça fait déjà un plat dressé. Je continue avec le second. Par une autre manière encore. Ainsi, et l'autre, je vais utiliser ma planche. Pour pouvoir faire des plis. Plusieurs formes. Reste encore pour un 4e plat alors. Je vais également faire le 4e plat. Là, je vais utiliser mon couteau. Divise en deux. Comme ceci. Thank you.
Là, maintenant, je superpose. Voilà, mes chers téléspectateurs, notre plat, notre crêpe salée d'aujourd'hui a été réalisé. Nous tenons maintenant à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de liker notre page sur Facebook. Merci aussi de nous faire confiance et rendez-vous pour le prochain numéro la semaine prochaine. Merci et bonne soirée à tous.